Mesdames, Messieurs, bonsoir depuis Studio 4, la voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacqueline Belizère. Un plaisir, encore pour nous ensemble, pour nous présenter au dernier sorti rendez-vous info pour ce maintenant. Moi, c'est Jacqueline Belizère, avec un grand point cap dominé actualité. Haïti a paré pour le marquer 3e anniversaire assassinat et président Jovenel Moïse, dans le moment gagné un blocage et même un silence dans le dossier dans le pays. États-Unis, élection, président Biden a travaillé pour sauver campagne pour le réélu président avec une visite dans l'État Wisconsin et puis une interview télévisée. Toujours dans l'international, aujourd'hui vendredi, Premier ministre britannique là, Rishi Sunak a annoncé démission comme chef parti conservateur après défaite dans l'élection législative. Et puis au Venezuela, lancement campagne électorale présidentielle là, avec un gros rassemblement président Nicolas Maduro yon bo ak opposition politique là yon l'autre bord. Oui, ici aux États-Unis, 2024 là sont année électorale et dans moment n'a parlé là gagnant président Joe Biden lui-même qui a essayé sauver campagne pour capable joindre un deuxième mandat pour la Maison Blanche et dans moment n'a parlé là il trouvait dans Madison dans Wisconsin côté que l'a essayé convaincre et électeur dans Wisconsin et il dit il pral remporter Wisconsin une autre fois encore. Sandra Lemaire. Président Joe Biden a tamé une étape importante dans le cadre de la menée pour sauver la campagne réélection qui est en danger. Il y a des gens qui disent que Biden a quelques jours seulement pour convaincre le peuple américain que lui en forme assez pour le faire travail président là avant appui démocrate complètement évaporé après une mauvaise performance dans le débat contre Donald Trump. Déjà, il y a quelques gens qui contribuent en pile l'argent dans la campagne qui soit beaucoup bail aucune contribution pour Kounia, ou soit yo annulé marathon yo t'ai intention faire pour cotiser l'argent pour campagne là. Biden lui-même admet pendant une rencontre avec gouverneur démocrate que li besoin dormir plus et puis limiter événements qu'a déroulé tant en nuit pour li ka en forme assez pour le faire travailler. Christian Gross, c'est un professeur sciences politiques dans l'Université Sud-Californie. He assuaged concerns that governors and a bunch of elected officials have about his performance. Lizzie Biden a essayé soulager que ce gouverneur a gagné à un bon officiel élu gagné par rapport à la performance dans le débat qui parle bon du tout. Même quoi qu'on y a une question qu'a posé, c'est est-ce qu'il a convaincu l'autre démocrate, gouverneur, avec membre congrès, qu'il est capable de pousser coupé devant et puis représenter parti à une élection présidentielle là à force. À part ça, il y a une question, est-ce que l'a bien géré la présidence là? Jeremy Suri lui-même, qui est un professeur d'histoire pour relations publiques dans l'Université de Texas, Austin, quoi tout ça fait partie campagne électorale. No, I don't think he's toast. You know, campaigns go through cycle after cycle. Il dit, pas quoi Biden boit l'huile. Campagne passée par plusieurs cycles et personne n'a pas prédit ça quoi le passé. C'est comme ça, bagaille toujours lié et qu'il y a avec les réseaux sociaux, surtout dans le monde côté bagaille arrivé chaque jour. Et puis, leur opposant, c'est Donald Trump, ça connaît qui lui a pas le ou l'autre série vidéo qui vient rapport à propre ménage, monsieur Tegayen à sous côté. Il y a trois points d'interrogation. Mais, question qui va continuer à poser, c'est l'état de santé Joe Biden. L'état qui a remporté l'élection quand même. Campagne qui a espéré débattre après soulager tout ce qui a sauté Monte Gayen, mais qui a sauté ça va continuer chaque jour pour campagne Biden si monsieur décide de rester dans la course là. Pendant un barbecue qui était organisé dans la Maison Blanche pour célébrer 4 juillet avec la famille militaire américaine, Biden a dit qu'il n'y a pas de aucun côté. I'm not going anywhere. All right. Dans fin mois de juin, pendant l'étape menée campagne en Caroline du Nord, Biden a essayé de rassurer les électeurs qui connaissent ça l'a fait. I know how to do this job. I know how to get things done. Il dit, je connais le job ça, je connais qui j'en peux m'accomplir des bagailles, je connais même gens à plusieurs millions américains qui leur tombé ou campé et puis continuer vous-même.
président pral mener campagne dans l'état Wisconsin jeudi vendredi a et puis fait chita attendre avec journaliste ABC George Stephanopoulos pour une interview que réseau télévision ABC va diffuser à soir dans leur côté plus téléspectateurs à regarder. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. Effectivement, dans Madison, dans Wisconsin, président Joe Biden fait ce palais-là. Il reprend le même discours que le fait dans la Maison Blanche dans l'occasion 4 juillet, à côté que le deal pas pral en ken côté. Il dit que li pral gagne Wisconsin yon l'autre fois encore, la prêté dans course-là et li pral remporter la victoire. Il dit li bat déjà et ancien président républicain Donald Trump et il pral bat li encore. Il était tout profité attaquer monsieur Donald Trump pour paquet démêlé li gagne avec la justice. Pendant de 4 juillet, ben sans pile célébration, en pile activité marquée journée ça. Et ceci comme d'habitude. Nous allons rejoindre Valérie Saint-Louis. C'est plusieurs millions de monde qui étaient célébrés hier jeudi 4 juillet à fête indépendance les États-Unis. Malgré plusieurs côtés dans le pays, t'es en bas avertissement qui te fait qu'on est que t'as pris un gros chaleur. Ça n'a pas empêché moun yo réunir en famille, rassembler ensemble sous plage et puis voyager en foule, puis à griller toute qualité viande, faire barbecue, cuite manger, participer dans parade, jouer musique, danser, tout ça dans l'esprit joue indépendance les États-Unis, qui c'est un jour férié, côté que nation t'a commémoré signature déclaration indépendance li dans mes pays Grande-Bretagne pour établir les États-Unis d'Amérique, dans date 4 juillet 1776. Dans Washington DC, ciel l'a découvert avec feu d'artifice qui t'a baillou éclat lumière qui t'a éclairé nuit là en les têtes nationales molles là. Tout partout à travers pays a sorti Boston, passé Battleboro, Vermont, dans Waco, État Texas, dans Californie, t'es une belle parade côté que en majorité, moun yo t'es habillé en rouge, blanc et bleu et yo t'a balancé drapeau pays yo en commémoration jour indépendance là. Pour moun qui t'a voyagé, yo jour ça yo t'es prévoit en pile trafic avec vol qui rempli à craquer. Il y a des gens qui étaient bloqués dans l'aéroport avec un pile de monde sur l'autoroute, avec des gens qui ont même pris un train pour aller dans la célébration 4 juillet. Service sécurité transport aux États-Unis a rapporté que il y a presque 3 millions de monde qui étaient voyagés dans l'aéroport dans un seul jour, semaine passée. Il est arrivé recensé que 60,6 millions de monde étaient voyagés dans la machine pendant la période fête ça, qui pour un pile de monde, c'est un week-end prolongé jusqu'à lundi prochain. Sous côte les États-Unis, les gens qui remet ambiance plage dans l'État Connecticut, par exemple, parking était rempli jusqu'à toute capacité. Tellement t'es gen moun sous plage 3 km ça, dans Hamonaset Beach State Park là, qui c'est un gros plage sous rivage État Connecticut là. Dans Philadelphia, malgré température chaleur a arrivé dans 90 degrés Fahrenheit, ça n'a pas empêché fou de monde rassemblé sous site historique dans la ville là, côté que déclaration indépendance n'a été adoptée dans date 4 juillet 1776 là. Nan aswe te gen gros feu d'artifice sous Benjamin Franklin Parkway après yon concert musique qui te bay par artiste américain Niyo Akesha. Nan ville New York la tradition feu d'artifice annuel magasin Macy's là te tiré plusieurs milliers projectiles lumière dans ciel là qui sorti dans Hudson River qui t'éclairé ciel ville Manhattan nan, ville Hoboken nan rive juste dans ville Jersey City. Juste dans le quartier Queens, où tu es capable de voir les lumières feux d'artifice éclairées qui t'a explosé derrière Silhouette Empire State Building. Dans l'État Alaska, dans la ville Seward, tu as commencé à faire feux d'artifice à minuit pendant que plusieurs milliers de monde t'es rassemblé sur une plage. Mais durée de temps pour te voir belle feux d'artifice dans le ciel là, tu écoutes en pile parce que le ciel là t'es vine fermé. Parce que dans le moment ça, pendant l'année, dans l'État Alaska, soleil l'a qu'on levé à minuit. Jour férié, fête indépendance des États-Unis 4 juillet, généralement c'est un jour qui unit américain yo dans sentiment l'amour et partage pour pays yo. Mais version 4 juillet 2024 ça vini dans une série de gros défis et polarisation politique à la veille course électorale présidentielle ça qui marqué par une gros division. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. N'a prêté toujours dans ambiance 4 juillet et nous praler dans Chicago avec Obed Lamy. Musique, manger, zévatizana, jouet pour tout le monde. C'est une ambiance bamboche, communauté haïtienne en Chicago, qui est rassemblée après-midi 4 juillet pour fêter fête indépendance américaine pendant qu'il a célébré Kilti. Événement ça a été rassemblé plus passé en centaine grand monde, jeunes coups de monde. Gérald Aye, c'est monde qui te mette programme ça sous pied, ça a environ 40 l'année. Ça, c'est une tradition. Je dis, moi, je suis tellement content parce que il y a un paquet de qui était parti, ça a créé Miami, Boston, New Jersey.
Las Vegas, nego sorti tout pas toujours dia. En pile nous en pile na monsieur Craig Binier. On va les nego migrant tout temps parce que puis fon yo vinn zanmi m konnè là. So tout moun invité là. Jean-Étienne Lavache rive États-Unis depuis environ 22 jours après li passé dans plus passé 20 pays. C'est première fois la participer dans fête ça et c'est une bonne façon pour lui faire rencontre à communauté haïtienne et puis reconnecter à Kiltil. Bon, moi, il y a un sens patriotique. Moi, tout haïtien en couleur, bien qui a couleur drapeau, moi, drapeau noir flotté, ça vraiment fait bien. Mais à la vérité, l'idée originale du programme, ça, c'est pas vraiment pour célébrer fête indépendance États-Unis. C'est un groupe haïtien qui devait profiter du congé 4 pendant qu'ils étaient réunis dans le quartier pour jouer football et puis danser. Gabriel Altimé, un citoyen haïtien américain qui participait dans la fête ça depuis le commencement, a raconté comment ça a été dans la première année. Nous avons commencé le pique-nique ça. Nous 10, nous 15. Et puis, il vient grandir. Et puis, il vient voir nous à James Park. Parce que avant ça, c'est en face de la Kaili, le tout qu'on fait, sur Dempster. Et puis, il vient tellement qu'on vient de mettre nous là, dans le plus beau parc. Avec la communauté haïtienne qui a continué à grandir chaque année dans Chicago, festival 4JS a tourné plus passé une simple célébration. Mais en façon tout pour la communauté à rappeler contribution dans l'histoire États-Unis et puis réclamer place dans la société américaine. Je crois que c'est l'indépendance américaine, mais haïtien fait un pile pour l'Amérique tout dans la bataille Savannah en Georgia, qui veut que nous, vérité, nous avons le droit pour nous faire, pour nous célébrer tout ça. Parce que nous perdons monde pas nous dans la célébration, dans la bataille. Obed Lamy, pour VOA Creole depuis Chicago. Merci Obed Lamy, et c'est avec le dernier reportage que nous avons bouclé le chapitre qui a un rapport avec 4 juillet et qu'on y a nous retourner dans l'actualité internationale là, qui a mené nous dans la Grande-Bretagne, côté Premier ministre Rishi Sunak annoncé démission li comme chef parti conservateur après défaite li dans l'élection législative. Serge François Michel. Leader parti travail Keir Starmer, tourné premier ministre de Grande-Bretagne, quelques temps après parti a remporté une victoire à Lavalas. Starmer menait parti lien tourné dans le gouvernement après moins que 5 années depuis qu'il a subi plus mauvais défaites li dans presque un siècle. Mais parti travail là fait face tout à qu'aucun travail qui s'est rebaillé économie en jarrette et puis poté espoir pour nation qui décourageait à gouvernement. Leader conservateur Rishi Sunak, dans le discours à Dili, il te dit qu'il comprend coller l'électeur et qu'il prend responsabilité pour défaite là. Après ça, il est allé dans le palais Buckingham non? Et puis présenter des missions à Washall 3. Premier ministre Keir Starmer a invité peuple à camper avec lui dans la mission qui serait fait nation pour mettre le tout neuf. C'est ça le dit dans le premier discours officiel après victoire Lavalas, parti travail là. Il y a un mandat comme ça venu à co-responsabilité. C'est comme ça Starmer parlait avec supporter lui au côté. Il dit bataille pour rebailler peuple à confiance là. Après des années, écoutez, il te perdit tout espoir, c'est bataille ça, qui pourra définir l'époque noire. Mais moun nan batian qui parlait avec précaution, qui te mène campagne sous base pour éviter danger, ça baille aussi pour un pile groupe dans la communauté business là. Et baille un endossement journal qui a une tradition conservateur, parmi le journal Tripotage Sun, qui c'est business grand propriétaire média, Robert Murdoch. Serge François Michel, VOA Creole. L'autre point dans l'actualité internationale, là, c'est lancement campagne électorale présidentielle dans le pays Venezuela. Côté pouvoir, descendre dans la rue et opposition en tout descendre dans la rue pour ouvrir campagne électorale là. On a le droit à près. Président Nicolas Maduro bail coup d'envoi campagne électorale liée à qui ont hommage pour défunt président Hugo Chavez. Côté lui utiliser musique campagne défunt en 2012. C'est plusieurs milliers monde tout rouge avec drapeau nan main yo, photo défunt président Chavez avec photo président Maduro, yo même yo té foulé béton. Président Maduro. Hoy arrancando la campaña electoral. Jodi a nous commencer campagne électorale là et Chavez doit monter sous podium nan avec musique inoubliable. On chanter avec Chavez Corazón del Pueblo.
Cerebro. Président Maduro dit yo pral remporter yo coquin victoire 28 juillet k'ap vin la parce que li même ak peuple là c'est force l'histoire. Cependant la plupart sondage yo mettait opposition nan tête intention vote yo. Opposition la gay yon paquet accusation sous deux pouvoirs d'après yo qui a fait persécution politique côté yo fait arrestation harcèlement sous commerçant k'ap travail ak opposition. Opposition li même tout li en bas accusation d'est-ce que l'a fait complot et l'a commettre acte terroriste d'après pouvoir. A yon mois élection yo nan Venezuela, an pile question à poser. Est-ce que, par exemple, Edmundo González Urrutia, candidat improvisé opposition politique là, apparaît nan machine électorale yo? Est-ce qu'elle apparaît nan urne? Est-ce que président Maduro gen capacité pour mobiliser maximum moun pour vin voter pour lui 28 juillet? Yon l'autre côté, partisan opposition te descend en masse dans la rue sous béton. Chef opposition Maria Corina Machado ak remplaçant nan Edmundo González Urrutia te paraît main dans la main nan mitan yon paquet foule et madame Machado te prend la parole. Nous comptons pour nous voir ça qui a passé jodi a nan Caracas. Nous connaissons tout Caracas en bas en pile pression politique, menace ak violence. Ça nous est là, c'est yon apothéose, yon lavalas moun qui traverse Caracas et tout pays a et en même temps. Madame Machado, qui a 56 ans, ajouté ça li wè la, c'est yon démonstration qui voulait dire que peuple vénézuélien déterminé pour gagner yon changement profond nan pays a. États-Unis te suspend quelques sanctions contre l'industrie pétrolière Venezuela après que le gouvernement Maduro ak opposition te d'accord en Barbade en octobre 2023 pour gagner yon élection libre et équitable nan pays en 2024 en présence observateur international. Mais sanctions ont été rétablies après que Machado ak un pilote membre dans opposition politique là pas de une autorisation pour participer dans l'élection. Dimanche qui saute passé là, observateur Saint Carter, qui est basé aux États-Unis, a qui un groupe expert l'ONU t'a supervisé yon activité électorale. Pays voisins Venezuela, tant qu'au Brésil à Colombie, fait voyou fait yon seul pour mander élection 28 juillet yon pour yon libre et démocratique parce que yon même yon gen crainte pour yon vague immigrant pas débarquer sous territoire yon. Donc, on va voir ces 28 juillet pour élection présidentielle dans le pays Venezuela. Pendant ce temps, il y a ouragan Beryl qui est toujours en vie et l'a menacé plusieurs pays parmi eux. Mexique, Gentil Augustin Junior, gain détail. Puissance destructive Beryl, qui arrivait bien bonnet dans la saison cyclone, montrait conséquences de l'océan Atlantique qui tape chauffé. Et spécialiste la science dit, participation moun yo nan changement climat alimenté mauvais temps. Directeur Centre National Cyclone Américain Michael Brennan te averti gros inondation. Beryl is again quickly moving west northwest. Beryl déplacé bien vite nan l'ouest pour aller nan nord-ouest côté Ukawe, côte là nan péninsule Yucatan ici là. Nous ta ka gen kek gros la pli, mais nous espérer quelques quantités isolées qui ka rive jusqu'à 10 pouces dans quelques parties dans Yucatan. Yon tijan raisonnable dans Sid Cozumel ak zone Cancun. Qui donc combinaison précipitation ça ak vague tempête là dans zone côtière yo capable créer gros inondation. Puis gros destination tourisme Mexique yo te mette sous alerte rouge bien bonnet jeudi vendredi 5 juillet 2024 là. Cyclone Beryl, qui te vin intensifié nan yon tempête catégorie 3 hier jeudi, te frappé pi gros espace touristique Mexique yo. Après li te fin passé sous île Caïman yo ak Jamaïque. Ak gros vent qui te détruit building ak pied bois te déraciné. Environ 3000 touristes évacués sorti nan Isla Mujeres nan terre principale là, tout près Cancun. Pendant que au moins 100 vols te annulé nan aéroport international Cancun. Mwen pas konnen si yon tempête t'a privé. Mwen pas gade nouvel yo. Donc, mwen pas rend compte. Mwen te supposé voyager al Belize demain, mais mwen ka aller pita. Résident Tulum nan sud-est Mexique te préparé hier jeudi 4 juillet pour river cyclone Beryl. Résident local yo qui gen expérience dans protection tempête te allié nan yon station gaz pour remplir tank ak réservoir supplémentaire. Pendant que hôtel ak complexe touristique yo te retiré meb ak en pile équipement. Nous avons quelques expérience ak cyclone. Nous protéger tête nous nan acheter provision, remplir tank gaz la, protéger fenêtre ak porte nou yo, nettoyer la
la cou nou yo. C'est comme ça nous protéger tête nous. Nous attentif à instruction autorité yo. Garde national mexicain t'est déployé pour bail sécurité dans station gaz et puis pour aider résidents yo nettoyer la rio. Ak débris dangereux tant coup vite qui cassé. Tempête là qui t'est derrière yon sentier destruction qui touye moun nan plusieurs îles Caraïbes là tant coup Jamaïque, Grenada, Saint-Vincent ak Grenadine ak Nord-Venezuela nan jou qui saute passé yo. Prévision météo yo di que tempête la ap déplacé nan direction nord-est Mexique ak sud Texas nan fin semaine. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Au toujours sur VOA Creole, l'obsession programme dans langue créole haïtienne a pas entré dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Côté partisan, président Jovenel Moïse prévoit organiser diverses activités dans Port-au-Prince pour marquer 3e anniversaire assassinat président et Jovenel Moïse. Détail avec Yves Manuel depuis Port-au-Prince. 3e anniversaire la mort président Jovenel Moïse lan, c'est pris le dimanche 7 juillet qu'a venu là. Dans l'occasion triste événement ça, partisan feu président compte organiser une pléiade d'activités dans la capitale haïtienne. Rosemont Jean. Samedi 4 6 juillet de 8h à 10h du matin, n'a gagné devant caï président, n'a gagné un mini veillée patriotique. 7 juillet devant caï président de Pèlerin Saint, n'a gagné un ensemble d'activités, n'a tant nous non, t'es journée activité ça. Activiste politique l'an dit le regret 3 années après assassinat ça, autorité haïtienne yo pas arrivé faire rien pour mettre en bas code criminel yo et traîner yo devant la justice. Cependant, il était croire la justice américaine agit différemment dans cadre traitement dossier ça. Non, 20 pas qui doit faire, la justice américaine fait 6 pas parce que il y a 6 criminels qui condamné, mais nous rete 14 grand assassins système nan qui d'ailleurs. Jean Laguel Civil, bon côté parle, ancien coordonnateur sécurité présidentielle, exprimé li dans occasion 3e anniversaire ancien président. Li dénoncé Aïssa Chorli et vice des formes qui gagnent dans enquête yo, li considéré comme politiquement orienté et injuste. Il a affirmé que véritable coupable yo toujours en liberté, tandis que innocent yo tant que lui-même a boué prison. Jean Laguel Civil mandé une révision sur enquête yo et libération tout détenu innocent yo. N'a pas rappelé dans l'8 6 pour 7 juillet 2021, yon commando te entré en dans résidence président haïtien Jovenel Moïse dans Pèlerin 5 et carabiné ni avec plusieurs balles. Madame Nimatine Moïse te blessé. Assassinat ça nourrit climat insécurité qui a régné dans pays yon, selon divers observateurs. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et actualité à Konya mené nous dans le département nord pays à côté yon magistrat dans ville Cap-Haïtien a essayé convaincre compagnie avion Spirit Airlines pour pas réduire quantité vol yo dans au airport au Cap-là selon magistrat en pile haïtien gain pour entrer dans pays en période vacances. Un reportage Gérard Maxino. Malgré pays en bouleverse, c'est un pile compatriote cap entré était ça dans airport Cap-Haïtien. C'est dans même période ça que compagnie avion Spirit Airlines veut réduire la quantité vol li gen dans aéroport international Cap-Haïtien. Yon décision qui fait magistrat en après ville Cap-Haïtien Patrick Almodo a rencontré ak yon responsable compagnie avion Spirit Airlines yo yon façon pour capable tourner sous décision ça parce que selon magistrat c'est dans moment ça haïtien plus rentrer dans pays d'Haïti. Spirit gagne 2 vols sous Cap-Haïtien. Il y a un vol qui est arrivé vers 10h. Comme ça, il y a un 2e vol qui est arrivé vers 1h30. Côté que et c'est normal. Je dis, on va avoir une demande, mais il y a été fait. Et que même il a agréé. Mais maintenant, il y a une petite discussion qui a fait tout parce que et probablement, il y a 2 vols qui sont capables jusqu'au 9 juillet.
Mais pour nous-mêmes, nous trouvons que qui n'a font plaidoyer actuellement là pour nous regarder comment Spirit a capable de vol ça pour nous-mêmes. Parce que nous parlons de nos période de pic, nous connaissons le nord, potentialité de ces fêtes champêtre. Lors entre le mois juin et septembre, c'est un moment où la diaspora, surtout, vient en pile dans le noir, vient dans la fête champêtre. On va rentrer dans la limonade, on va rentrer dans la plaine du nord, on va rentrer dans le bout de mer limonade, on va rentrer dans et Sainte-Rose. Ça veut dire qu'on vole une fête qui va le faire là, côté en pile monde dans la diaspora va rentrer. Et nous ne voulons pas que y a une pression pour rejoindre le vol. Et autant de fois qu'il y a plus de vol, il y a plus de possibilités pour que le coût et billets moins élevé par rapport à ça va gagner comme challenge en termes de pression, si qu'il va gagner plus et vol. Donc on est concurrence dans lui-même, plus qu'il y a plus d'activité et puis intéressant. Et ça fait que nous avons fait le doigt auprès de Camilo pour nous garder comment il est capable de faire vol. Deux volumes sous Cap Haïtien, notamment entre juillet et août, pour nous garder, pour que nous aider et les gens qui sont dans la diaspora qui sont intéressés à venir. Et les gens qui sous Cap Haïtien, qui veulent voyager tout, ou bien les gens qui sont dans Biden, qui ont plus de chance pour partir. Selon le magistrat, tout le temps, il y a plus de vols qui sont faits dans l'aéroport au Caplan, il y a plus de diaspora qui entre dans la famille et puis viennent participer dans la fête champêtre. Jira Maxino Cap Haïtien pour la Fête d'Amérique. Merci Maxino et nous avons rendez-vous hebdomadaire. Donc chaque vendredi, nous avons rendez-vous avec Jude Deonceré qui parle parler nous de ça qui a passé dans HMI, là, ça veut dire dans l'industrie musique haïtienne. On a rejoint Jude. Samedi que se passé là, groupe musical New Look était en performance dans Margate, État Floride. Just là, t'es joué P4 Music qui sous dernier album ni y inclut des anciennes musiques qui étaient arrivées sous public là. Le moment qui était bien important dans la soirée, c'est lorsque Yvon André, alias Capi, du Tabou Combo Superstars, était invité sur le podium pour chanter avec Ali La Rivière. Après performance, nous avons demandé Capi du Tabou Combo, ça veut dire pour lui, chanter yon musique Tabou Combo avec New Look. Et Maïsou Ali La Rivière était invité à me faire un jam avec eux. Donc c'était un honneur pour lui pour te présenter bas public là. Et puis pour lui annoncer que ça le dit, il dit. Tout ça nous l'a fait qu'on y a un tabou combo te fait déjà. Et me senti heureux pour moi-même participer à la soirée ça. Et puis pour me défendre avec nous look qui est un groupe haïtien qui est très très valable. Voilà. Nous t'es parlé tout avec André Desjans qui c'est musicien groupe musical New Look qui t'est manifesté satisfactionné après performance là. Et moi t'es toujours attendre que le public la pral bien apprécié et prestation à soi. Surtout avec nouveau CDA qui sorti. Donc, nous devons attendre ça. Dans le finissement de la soirée, nous te prenons opinion quelques mélomanes parmi nous, Dado DYS, animateur culturel. Et Diaz l'a plus en confiance avec un nouvel album. Et fanatique nous qui ont mis Diaz en confiance, au capable de sentir généralement, c'était famille nous qui était présent et les motivés musiciens. Donc, au capable de gagner plus d'énergie et donc, yo défoncé yo et ont une belle prestation. Si vous me dites jamais ben nous ou pas comprendre parce que j'ai presque au moins 4 ans m'a marché dans jazz là. Pas jamais pas là. Dominicaine là, New York là. Que croisière nous l'a fait avec pour anniversaire aller la rivière moi là. Palladium moi là, Zénith moi là. Roadrunner moi là, Florida moi là. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Oswald Clairveillus, alias Oswald, chanteur, compositeur, musicien, sorti un album tout neuf qui portait nom Oxygène et qui gagne 14 musiques sous lui. N'a fait connaître que gagne 3 artistes invités sous album non, Chaba qui chantait musique qui portait nom Bouléon Cob, Rochelle Guillaume qui chantait Crasé avec rappeur Steve J. Bryan qui chantait Perdi Contrôle. D'après ça, nous arrivons constater. L'autre nouvelle souvée d'être dans la musique haïtienne, maestro guitariste Ronald Smith confirmé pour VOA Creole dans une conversation téléphonique, groupe musical Extrême Musique qui était fondé dans Miami, pas existé encore. Ronald Smith annonçait qu'il y retournait comme deuxième guitare dans le système Ben de New York, bon côté Reginald Benjamin.
retourne effectif dans le système Ben de New York à partir du mois de juillet 2024, d'après sa artiste la déclaré ben nous dans le téléphone. Merci Jude, bon week-end tout le monde. Non pas, c'est Jude, on serait pour VOA Creole, Miami. Premier ministre Gary Conille, à travers l'aide sa que l'été voué by Excellence, qui c'est Edgar Leblanc fils, qui s'alte dit dans l'aide sa. Primati, alors Premier ministre Gary Conille, et Port-au-Prince 26 juin 2024, Excellence, Monsieur Edgar Leblanc fils, président conseil présidentiel transition en Abioul, Excellence. Moi j'ai honneur pour me faire connaître et moment que m'a voyé là ça m'a écrit là ça que moi doué dans une délégation qui quitter pays hein cap quitter pays mais quitter pays hein quitter de quitter pays hein 26 juin pour arriver 6 juillet 2024 et qui pour aller Washington DC aux États-Unis et pendant que pour aller hein dans cadre on tourner inspection côté pour faire dans ambassade Haïti dans Washington. Et a profité occasion ça tout pour visiter et chita parler dans Conseil sécurité Nations Unies dans date qui était mercredi 3 juillet 2024 là. Et on profite il profite occasion ça pour que renouveler Excellence et Edgar Leblanc fils assurance bureau considération docteur Gary Conille. Et c'est ça que PM Conille te dit dans la lettre que t'a adressé avec le président conseil qui c'est Edgar Leblanc fils pour un pile monde qui t'a dit que PM Conille à travers la primature les pas mettait conseiller au courant de déplacement aux États-Unis parce que pas oublier que réseau la presse et un pile secteur a dit que PM n'a déplacé sans que il pas informé mes conseillers. Est-ce que lettre ça l'était daté avant que PM n'a déplacé puisque les n'a gardé dans lettre ça li fait les Port-au-Prince 26 juin qui donc deux jours après 28 juin que il t'a déplacé hein? Est-ce que c'est après tout antidaté les questions qu'on a posé est-ce que vraiment qu'il y a un malaise qui existait entre la primature et la présidence c'est les questions encore qu'on a posé. En même temps, tout, réunion de travail qui était organisée dans le conseil présidentiel et conseil Nations Unies, hein, côté qu'un pile pays parlait et réagit sur situation Haïti, hein, et y'a demandé pour que y'a aidé Haïti et permettre que y'a une solution qui joigne avec ensemble crise que pays a connu là, c'est mis internaute nous, nous prenons regarder ça, yo, et avec ensemble de leurs points, et des Yvonne, nous prenons regarder mon côté parle, mettez sous invité nous, qui pourra analyser avec nous, et qui pourra répondre ensemble de questions. Et si comment est-ce avant qu'il vienne avec invité, hein? La situation, nous comptons rejoindre nous dans l'espace à Calfou Vérité, vu que tous les amis internautes déjà, je suis sous T-shirt Bayo pour suivre ensemble ça, pour le partager avec eux comme information. La situation de soldats kenyans, mettez pied à terre dans le pays d'Haïti, ils veulent juste Carrefour Rita dans fief gang chez méchant, côté ils ont fait parade avec ZAM dans main et pour affronter, tu as pour genre émission pratiquement gagné pour aider la police et attaquer bandits qui ont pas de problème dans le pays. L'explication ka grave dans le pays d'Haïti. Ça passe. Ensemble, confrères, concernés, dans divers médias, font coup de tête dans la direction de l'hôpital général. Quand ils vivent ensemble, ils pas presque quitté un lien dans l'espace. Ils ont bouleversé l'espace, crasé la porte d'entrée, crasé la porte de côté, ils ont hospitalisé les gens. C'est des situations qui paraissent très graves. Autorité qui dans l'État a besoin d'assumer responsabilité. Parce qu'on peut, sans soins de santé, on peut sans vie. Heureusement que chef gouvernement c'est un médecin. Gain dans conseiller présidentiel yo c'est médecin qui yo. Exact. Assumer responsabilité yo. Parce que Gary Conille dans venir en dans pays a, il fait une expérience avec un malaise, s'il pas de moyens, s'il pas de réputation pour le dans l'hôpital de renom, eh bien il te doit pas là encore. Faut que yo pense au moins avec monde qui dans plus bas niveau yo. Situation qui gagne en bas la ville là, il paralysé l'école yo, université yo. La vie paraît impossible. Faut qu'autorité qui est dans le conseil présidentiel de transition
assumer responsabilité yo. En plus gros question qui a posé, qui rôle officier kenyan yo en dedans pays ya dans quatre missions qui yo vini an? Parce que ouais c'est parade qui a fait tant que police circulation en route pendant population pas suspendre perdit la vie yo pas suspendre violé dans divers quartiers populaires côté gang a fonctionné en dedans pays ya. Gros discussion à travers et diverses organisations militants yo tant mande place yo dans gouvernement et transition qui gen là. Et en pile parole en pile la presse qui a tiré causé un segment de presse qui dit que torchon qui a boulé entre conseiller présidentiel et membre dans le gouvernement à travers la primatie. Nous pouvons questionner, nous pouvons regarder si tu as gagné un éventuel mésentente entre deux branches pour voir qui est-ce qui a gagné pour payer pour casser ya. Est-ce que c'est pas peuple haïtien qui peut tomber dans l'autre crise bien longue encore, mais sous ça que pays a tapé déjà. Mounio dans Williamson a pris des situations très graves. Pour plus petit, on disait qu'il est passé en bas flamme d'effet pendant le week-end, et ça comptait plusieurs autres mounes qui mourit, axila ou qui blessé, qui a pris soin, qui a nécessité dans l'hôpital. Conflit ça a éclaté depuis un bon bout de temps. Dans la question, t'es autorité, dans la justice, dans la police, dépassé par les événements, y'a pas jamais dit rien sous question si là, mais t'es sur l'autre problème qui gagne dans la communauté. Citoyens qui vivent dans la cité de Gapoua, dans Akaye. Pas qu'on a qui s'est adressé, c'est presque chaque jour, on rumeur a venu, qu'a fait au voltige, courir la caillou, parce que, courir quitter la caillou, parce que bandit, dans le Canada, toujours annoncé qu'il a venu attaquer Mounio, et vin ouais, faiblesse la police, qui gagne dans la communauté, et Akaya, dans cette personne, Mounio pratiquement a mal vivre. Et c'est pas Akaya, tout simplement, c'est presque quatre points géographiques pays, nous t'as dit, et depuis gros département géographique pays, qui encerclé avec gang. Responsable, dans UNICEF, fait quoi, c'est plus passé, 300 000 timoun qui trouvaient dans situation très difficile, dans grand goût extrême, sans compter grand moun yo kap kon des situations très difficiles, des situations, tout ça aussi la cause, insécurité que autorité ou besoin arranger. Divers départements a posé gros questions avec Normil Rameau, le cas direct, dans le département de la Tibonite, yo mande directeur qui sa la prétend pour opérer des changements, mettre moyens disponibles pour empêcher bandit grand griffe, bandit cocorate sans race 1 qui dans la croix péris et bandit cocorate sans race 2 qui est dans Tibouadom entre nord-ouest et la Tibonite, capta et mandat qui empêche moun yo vacuer avec activité. Ensemble, point ça yo, nous pral garder, nous pral analyser, sans doute gagnons invité, qu'en pral garder, ensemble des crises que pays a qu'on est là, qui sa li même, comment l'ouel, dans un gouvernement monté ya, est-ce qu'elle sentit le chita? Est-ce que nous avons gardé l'intérêt de la République au lieu d'intérêt par eux? Parce que nous avons son partage gâteau total. Chaque conseiller qui est dans le conseil présidentiel et transition a gagné mon paio dans le ministère. Est-ce qu'il pourra faire affaire avec la situation? Carlo, comment est-ce que mon frère? Nous n'avons pas parlé là. Blaise Peterson, Desi Venès. Alors, nous profitons de ça pour nous souhaiter joyeux anniversaire avec. On va continuer en retard. Merci Charles. Merci Charles, merci. Okay. Bien content, son plaisir Blaise et désir pour que nous ensemble encore dans émission ça, nous profiter saluer toutes amis internautes qui pas jamais pas branché et ceux qui toujours partager émission ça, nous féliciter yo, nous remercier yo. Pendant n'a profiter saluer toutes amis la plaine nous yo. Et qui c'est vraiment fan de l'émission. Bon, je pense que la pleine dans l'émission, ça a consacré. Bon, en tout cas, c'est l'émission par le qui est autant de l'homme. Parce qu'il a fait l'émission, il a fait chemin. Et c'est là, il a eu intérêt tout. Son désir, Blaise, pour que nous capables ensemble pour nous analyser ensemble de faits qui a développé dans le pays. Ya. Et on nous garde ça, nous, Charlot. Et d'abord, où déplacement PM Gaïkoni qui était quitté pays, 28 juin pour arriver 6 juillet. Ou même, et qui ça, selon nous, comprend de déplacement PM, non, et qui fait un peu l'intervention, et qui encore mettait accent sur la situation Haïti qu'on est là? À mon pensée, Blaise, il tape toujours comme ça, parce que PM, non, personnellement, il a une responsabilité. Je pense que les gon feuille de route que international là lui même li bali et à chaque fois que li rive na yon limite c'est normal pour que li capable retourner et aller na origine nan son façon pour que li capable connaître qui ça suivi au pied moi pas considérer déplacement PM nan tant coup seulement yon moun qui a fait des démarches mais moi crois tout faut que li aller pour le capable connaître toute dernière décision yo comment doit prendre surtout dans question insécurité parce que les forces internationales là présent donc on pense gagne instruction
que lui-même l'état supposé joindre, donc tout ça est rentré dans voyage lui, dans quatre voyages lui. Pour qui ça c'est, pour qui ça dit c'est et il fait de route internationale à Bali. Alors que c'est Haïti, c'est nous-mêmes comme haïtiens, c'est pour nous l'IPM, c'est pour nous libéral exécuter, libéral diriger, libéral poser ensemble de l'action. Pour ça c'est fait de route internationale que vous parlez. Bon, Blaise, est-ce que là, t'es jamais eu un groupe haïtien ou du moins un groupe politicien haïtien qui t'a un plan, qui t'a développé, qui dit, eh bien, ok, mais qui côté nous voulons aller avec Haïti, n'a pas exécuté plan ça, ça pas de jamais fait, pas de jamais t'es un groupe haïtien t'es fait, pas de jamais t'es un gouvernement t'es fait, pas de jamais t'es un ensemble de politiciens qui t'a fait ça, mais tout simplement, nous toujours, ouais, à chaque fois que une décision pour prendre pour Haïti, c'est toujours international là qui prend, c'est toujours lui-même qui décide, c'est lui qui choisit qui est-ce qui pour faire qui ça. Donc, je pense que c'est toujours même continuité à Cap Fête. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de problème avec ça. Seul bagage, c'est que nous toujours, ouais, ensemble de décisions, ça y est, pas toujours en faveur du peuple haïtien. Et c'est ça que fait jusqu'à présent, nous étions en attente, nous regardons pour nous, ouais, pour ça, est-ce que ça a Cap Fête là, ou je ça prend le fait là, s'il vivait fait, donc est-ce qu'il y a en faveur nous-mêmes, peuple là, qui toujours subit? Non, mais nous songeons que Viniga et Koni, c'est vrai, c'était presque à l'unanimité que le conseil était voté, était désiré. Mais, et pas oublier que le conseil, là, c'est lui, même ça, c'est capable de dire qui est accouché Koni par rapport avec comme si exécutif de tête, là. Mais, et conseil, qui ont accord 3 avril, et accord 3 avril, là, qui ont ensemble de points, et ces points, ça, yo, c'est accord, ça, que EPM Koni avait exécuté. Là, on dit, j'ai perdu Charlot, leur montre comme si que pas de jambe de gain de moun qui dépassé, qui te gon plan pour, et soit on dit, libérer pays ça ou dit, monsieur, avancement pays ça. Et qui sont comprendre de, et à quoi 3 avril et conseiller ou, avec comme si PM Koni qui l'a pour exécuter à quoi ça? Li, jusqu'à présent, m'pense que à quoi a toujours existé, et que m'kwe li toujours existé. Travail yo, peut-être grand chantier ou poko commencé. En réalité, même quoi accord a toujours là, vraiment t'as souhaité vrai c'est accord ça qui exécuté. Mm-hmm. Et c'est souhait que nous-mêmes nous tous nous t'as souhaité parce que j'en dis à te gagner en pile chita pour que accord ça il était capable de signer, mais il était tout simplement pour nous garder exactement Jean bagaille a commencé là entre CPTA avec gouvernement Koni là pour nous garder est-ce que en réalité accord ça a respecté. C'est ça, c'est seulement nous retenons à observer jusqu'à présent parce que accord a signé c'est une mais qu'on y a exécution son l'autre baguette. Moi connais que ou c'est un acteur politique qui est très présent sous scène non et d'abord en pleine et l'autre côté encore comme militant politique comme acteur politique autant des mêmes autant des différents et médias yo médias en ligne traditionnels et côté même dans la population civile là et comme quoi on a dit que gon marionnette qui pas marché bien entre la primature et l'exécutif la présidence on a dit que un PM Koni avec conseil présidentiel ou même qui comme un acteur politique qui sous scène qui sont comprendre de ça et qui sont gagné comme information et comment tu as comprendre ça si vraiment tu as gagné ça et on dit tu as vraiment gon torche qui t'a caboulé entre deux têtes exécutif là. Ça n'a pas étonné nous. Ça n'a pas étonné nous. Bon, personnellement, ça n'a pas étonné nous parce que nous connaissons toujours gagné un torchon ça a brûlé parce que CPT n'a pas d'accord pour que c'est Koni qui a coupé raché. Et gardez bien pour vous, parce que toute revendication, yo, c'est dans un seul sens. Donc, c'est comme si le Premier ministre a compris c'est le président, c'est lui qui tout bagaille. C'est lui-même qui prend toute décision, il n'est pas d'accord. Même CPT n'est pas d'accord pour que Koni lui-même vienne diriger pour contre lui, peut-être. Il n'a pas pris le son, il n'a pas tiré la révérence. Parce que si au moins il a fait un petit recul, il était capable d'aller dans le gouvernement Boniface avec Gérard La Tortue, peut-être il était capable de voir comment ça te yem. Pas quoi il attend que tu as un bagage qui est différent donc, avec Gary Koni et puis plus eux-mêmes. Je pense que CPTA lui-même, il est supposé capable de réfléchir, garder pour yo c'est parce que yo tout yo fait partie problème non
yo te fait partie problème nan. Donc on y a si toutefois yo mettez ensemble, y a cherché solution ensemble, donc que yo pas couru sorti ego yo, donc nan sans ça, que yo même c'est vrai entre yo capable discuter certaines choses que yo réalisé au niveau gouvernement avec Gary Conny qui pas marché, yo fait ça, yo régler li bien sans que yo pas obligé quitter le prendre la presse. Parce que à chaque fois que gen plus scandale qu'a répété entre eux même, m'pense c'est faible y a vinn plus faible, et m'pense c'est CPT a qu'a vinn plus faible, parce que nan façon gouvernement monté avec quantité pouvoir que nous wèg Gary Conny vinn là, mon cher, pas trop facile. On avance les Ibénès. Très bien, et Charlot, et par rapport avec cette situation ça, c'est qu'a bien tension tout bon vrai, est-ce que selon li pral nan intérêt peuple ou bien li pral nan intérêt conseiller présidentiel yo qui yo chaque déjà un bout de zone mais y a soucé, ou bien c'est nan intérêt et oligarchie ou bien c'est nan intérêt communauté internationale là bara la tourner? Li peut-être capable nan intérêt tout le monde sauf peuple là. Li pas nan intérêt moi-même Charlot qui censé prisonnier nan commune côté m'a vivre. Li pap nan intérêt, li pap nan intérêt population qui a dormi en bas pied bois la pli a tombé sous petit yo pa konnen ki jou ki lè